La nouvelle édition du Téléthon, émission en faveur de la recherche sur les maladies génétiques et les maladies rares, s'est terminée dans la nuit du 9 au 10 décembre après 30 heures de direct sur des résultats historiques. Cette année, pas moins de 80 millions d'euros de promesses de dons ont été récoltés, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement, parmi lesquels se trouvait la chanteuse Vita. La complice de Slimane était en effet aux côtés de Vianney, parrain de la manifestation cette année, pour apporter son soutien à la recherche. Elle a notamment interprété ses titres à Fleur de Toi et Je n'oublie pas, et mis en jeu deux de ses tenues lors de la grande tombola. Celles-ci ont été remportées par une téléspectatrice, qui n'était pas la seule ravie du passage de Vita sur le plateau de France 2. À l'issue de son deuxième morceau, la marraine de la Star Academy a rejoint Kelly, 15 ans, atteinte du syndrome de Crigley-Najjar, présente dans le public. La jeune femme, qui ne peut pas vivre sans lumière à cause de sa maladie, est une fan totale de Vita, comme l'a expliqué Nagui. N'ayant rien manqué de la prestation de son idole, à qui elle a pu faire un câlin, Kelly a été prise en photo aux côtés de Vita par Nagui, avant que l'artiste ne l'invite à son prochain concert à l'Accor Arena, prévu en 2024. Visiblement émue, l'adolescente n'a pas pu retenir ses larmes. Le Téléthon, toujours sous le signe du soutien cette année, Vianney était aux commandes de l'événement proposé pour la première fois par Dorothée. Un rôle qui lui tenait particulièrement à cœur, comme il l'expliquait fin novembre, j'essaie d'être un parrain investi en termes de temps et de cœur. J'ai l'envie chevillée au corps depuis longtemps mais, cette année, si est-ce particulier, puisque j'ai eu un deuil qui me donne beaucoup de force. Il évoque la mère de sa compagne, atteinte de la sclérose en plaques, et malheureusement décédée cette année. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, France 2 capture d'écran. I just need